finalement, eh bien, votre test sera valable si vous l'avez fait dans les 3 jours. On respire un peu du côté des non-vaccinés. Reportage à Paris, Anne-Livia Tolinki. Carte vitale à la main, Max sort de la pharmacie avec un grand sourire. Pas encore complètement vacciné, il avait besoin d'un test négatif pour prendre le train et il est ravi de pouvoir l'utiliser un peu plus longtemps. Ça me permet de vivre normalement pendant 24 heures de plus, d'aller au restaurant ou boire un verre en terrasse. Quand on aime la vie, ça compte toujours un peu. À côté, John attend son tour devant la tente de dépistage. Grâce à cette mesure, il va pouvoir faire moins de tests, même si ça l'inquiète un peu. C'est vrai qu'on peut se demander si du coup c'est toujours aussi efficace. Après, c'est plus pratique pour nous, quoi. À ça, le conseil scientifique répond que la décision repose sur des connaissances limitées, mais que l'objectif premier, c'est de soulager les lieux de dépistage. Il a donc rendu un avis favorable. Gilles Bonnefond, porte-parole de l'UPSO, un syndicat de pharmaciens, attendait cette mesure depuis un mois. Les 72 heures vont être un moment de respiration. Ça permet de pouvoir faire des dépistages le jeudi pour avoir son pass pendant le week-end. Donc ça, c'était important parce que tous seront centrés le vendredi et le samedi. Ça va aider tout le monde. La semaine dernière, 4 millions de tests ont été réalisés, un record depuis le début de l'épidémie, et ce chiffre devrait doubler d'ici la fin du mois d'août.